Donc Sport International, c'est un groupement d'entreprises du paysage spécialisé dans la construction, l'entretien, la rénovation des terrains de sport. Donc sur le territoire national et un petit peu plus large puisqu'on travaille en Suisse, en Italie, en Espagne, en Grèce, voilà, avec des partenaires. Donc on est un groupement de sociétés qui sont chacune individualisées et qui ont une activité régionale, voire un petit peu plus, et qui peuvent être amenés à partager des compétences, partager des matériels dans le cadre de grosses réalisations, donc à des niveaux top 14 en rugby ou Ligue 1 ou Ligue 2 en foot, mais également répondre majoritairement en fait dans leur activité, répondre aux attentes des collectivités dans le cadre de l'entretien, de la régénération et de la construction de stades sportifs et de pelouses sportives. Oui, tout à fait, l'intérêt du salon, c'est de présenter nos métiers et également que les collectivités prennent connaissance du réseau qui est bien et d'identifier les entreprises de leur région pour avoir un échange sur les techniques, les nouvelles techniques, les compétences aussi des entreprises, ce qui est important parce que le réseau a plus de 35 ans. Donc c'est quand même, il y a une histoire des entreprises qui est facilement valorisée au travers de ces échanges avec les collectivités, donc les maires, les responsables de structures aussi nationales ou régionales, pour des projets à moyen terme, mais aussi également à court terme parfois. Donc on le voit aujourd'hui avec l'avènement des Jeux Olympiques, enfin la demande qui va affluer avec les Jeux Olympiques, où les collectivités essayent de saisir des opportunités de valoriser leur structure.